Le bac avec cette année une situation inédite. Oui, l'incertitude jusqu'au bout hein, pour les élèves de terminale. Les 743 000 candidats vont découvrir leurs notes, mais pour une partie d'entre eux, eh bien, elles seront provisoires. Des jurys de correcteurs ont refusé de délibérer hier. Camille, professeure de français en Seine-Saint-Denis, a quant à elle décidé de garder encore un peu les copies du bac, et cela malgré les menaces de sanctions financières, disciplinaires et pénales. Elle a décidé de maintenir la pression. Moi, j'ai toutes mes copies. On prend des risques. On est certain à être père de famille, mère de famille. On perd 100 euros par jour, là. Si nous continuons le mouvement, je vais perdre 500 ou 600 euros avec des risques de blâme. Alors, je pense effectivement que nous sommes l'honneur de notre profession. On n'a rien à perdre, tout à gagner. Moi, tous les discours culpabilisants, c'est absolument abject. Recevoir un blâme de Jean-Michel Blanquer, c'est un peu une légion d'honneur pour moi. Même si, évidemment, comme tout le monde, voilà, j'ai une famille, j'ai pas envie de perdre mon emploi. Mais j'aurais du mal à me regarder dans la glace si je ne faisais pas ce que je suis en train de faire. Camille au micro Europe 1 de Jeanne Bergaoui. On a appris par ailleurs que certains candidats avaient pu découvrir leurs résultats dès hier. Les notes ont fuité sur le site de l'Académie de Lille avant d'être retirées quelques heures plus tard. Et puis concernant l'enquête sur les fuites de l'épreuve de mathématiques, de nouveaux suspects ont été placés en garde à vue hier après-midi, un homme et une femme âgés de 37 ans.